partager ce repas et surtout de récompenser les meilleurs. Je me réjouis parce que vous nous démontrez, vous, nos enfants, que l'engagement pris par le président de la République en 2017 d'accompagner, de soutenir les victimes des crises, cet engagement-là n'est pas vain. En travaillant, en montrant à la face de la nation que vous êtes aussi intelligents que tous les autres enfants qui ont et les pères et les mères en vie. En nous démontrant que la solidarité voulue par le président de la République apporte un plus à votre bien-être. Je vous invite à encourager nos enfants à aller à l'école. Nous avons 3 enfants l'année passée qui ont été inscrits, qui aujourd'hui sont meilleurs. S'ils ne peuvent pas tenir dans l'école, on va dire le cursus normal, nous avons l'enseignement technique, nous avons l'enseignement professionnel, nous avons l'école de la deuxième chance. Ne laissons pas nos enfants à la maison. Les laisser à la maison, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ramenons nos enfants sur le chemin de l'école. Le gouvernement a plusieurs programmes qu'il faut inciter et amener notre jeunesse à travailler.